Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci de toujours nous rester fidèles. Les réseaux sociaux sont un outil puissant de communication à portée de main. Sont-ils profitables pour nos braves paysans et braves paysannes quand on sait que beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire? Ne décrochez pas quelques éléments de réponse dans ce reportage. Mois de mars, mois de la célébration de la femme, pourrait-on dire cette année, la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier avait pour thème Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le magazine agricole Brave Paysan s'est rendu dans la périphérie d'Abidjan, sur une parcelle d'une brave paysanne qui est venue travailler dans son champ avant de rejoindre sa communauté pour la célébration de cette journée qui leur est dédiée. Souvent, je viens avec les femmes de la coopérative, mais moi qui suis la présidente, moi qui aimais la chose, chaque 2 jours dans la semaine, je viens voir le travail, comment le travail était fait. Je suis venue voir. Ma date est 8 mars, mais je suis venue visiter un peu, voir un peu comment le travail était fait. Pour que je puisse me retourner aller célébrer la fête. Nous, ce que nous faisons, ce que la coopérative fait, en tout cas, c'est pour être des femmes qui travaillent pour avoir aussi quelque chose à manger. Parce que dans la coopérative, il y a d'autres femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont personne pour les aider. Et c'est pour cela qu'on a créé cette coopérative. On a un marché, marché de la cité-ci. Et après encore, on fait des transformations. Persil que vous voyez là, on a des clients et on cherche encore des clients pour ça. Parce que persil soigne beaucoup de choses. Ça soigne les reins, ça soigne aussi l'hypertension, ça soigne aussi d'après les médecins. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on nous a dit, que je suis en train de dire. Ça fait beaucoup de choses et puis ça sent bon. Transformation de manioc là, nous-mêmes on produit. On veut que l'État nous aide à transformer nos marchandises, les manioc, bananes, les persils là, parce que je vois jus de persil. Tout ça là, je veux que les gens nous forment pour ça. La parcelle là, on avait fait persil partout, mais par manque de moyens, nous n'avions pas de pompe pour irriguer. On était obligé de creuser des puits pour arroser. Maintenant, vraiment, la main d'œuvre n'est pas au rendez-vous. On force, on fait. Maintenant, je vois que avec un soutien, elles peuvent produire mieux. Puisque quitter Abidjan, venir, c'est pas facile. Le trajet déjà, c'est pénible. Mais elles se donnent les moyens pour être là. C'est des braves femmes, il faut les encourager. C'est mes mamans. Raison pour laquelle vraiment, moi aussi, j'ai fait de mon mieux pour qu'on puisse avancer. Vous voyez ce qui est là. Pour faire une butte de persil aujourd'hui, on vous prend 400 francs. C'est pas facile. Avec les boîtes de persil qui coûtent sincèrement cher, 4000 euros, les petites boîtes, vraiment, c'est pas facile. Donc, elles ont besoin de soutien, d'accompagnement, surtout de formation. Parce que souvent, on a les persils pour vendre sur le marché, c'est difficile. On voit les gens en train de vendre leurs produits sur Internet. Nous, on ne connaît même pas pour manipuler Internet, Facebook ou bien chose WhatsApp. Or, on veut vendre nos produits pour qu'on puisse gagner. Donc, on veut que les gens nous aident. S'il y a des structures qui peuvent nous aider à connaître pour manipuler WhatsApp, Facebook, vraiment, nous sommes là. Nous sommes là pour qu'on puisse vendre nos produits. Pour qu'on puisse vendre nos produits, pour qu'on puisse gagner. Parce que deux fois même, on fait des placards, les tonnes de placards, ça y est là, à checker là. Tout ce que nous faisons, ça y est là. Même persil là, souvent même pour gagner, même client même là. Les femmes là prennent moins cher comme ça et puis elles s'en vont avec. Donc vraiment, on cherche des gens pour nous aider à manipuler nos portables. Parce que nous sommes des femmes qui ne sont pas parties à l'école. Donc on ne sait pas comment manipuler. Aujourd'hui, avec l'évolution du digital, nos braves paysannes essaient tant bien que mal de s'adapter aux réseaux sociaux afin d'élargir leur champ d'action. Notre organisation a une page Facebook
voilà, qui porte mon nom, à une page de groupe. Voilà, une page de groupe aussi. Et nous utilisons les autres canaux, tels que TikTok, tels que Instagram. Instagram, c'est le Karité de la réserve du Bounkani. TikTok, c'est Féline de Dabankiro. Facebook, Féline de Dabankiro. La page Kambou Cosmétique. Et à travers la digitalisation, aujourd'hui, nous arrivons à vendre. Nous arrivons à faire connaître nos produits, hein, à faire la promotion. Et nous recevons de nombreux appels, hein, d'investisseurs même, hein, ouais, grâce, hein, grâce aux réseaux sociaux des Africains de la diaspora, nous contactent pour investir, hein, dans notre domaine d'activité, quitte à aider, hein, à soutenir ces braves femmes du milieu rural pour réduire la pénibilité de notre travail. Madame Vouy, Victoria, est commerçante de vivrier à Adjamé. Elle nous explique sa méthode de travail depuis l'avènement des réseaux sociaux. Les oignons se vendent en gros. Et les femmes que vous voyez là, elles ne vendent pas de détails. Elles font des semi-gros. C'est-à-dire, celles qui ne peuvent pas prendre les sacs, peuvent prendre des demi-sacs ou plusieurs kilos pour aller détailler. Sinon, tout se fait ici en gros. Nous avons du placali, les pâtes de manioc, qui servent à préparer du placali qu'on peut consommer directement ou ça sert à faire de la tchéké. Nous travaillons d'abord même par téléphone, ensuite par WhatsApp, parce qu'ils nous présentent par WhatsApp l'endroit où ils se trouvent et puis les produits qu'on les a envoyés chercher là. Ils nous présentent ça, par exemple les paquets de placali. C'est par là qu'ils nous montrent si les sachets là sont dans les normes ou bien si c'est bien blanc, ainsi de suite. Pour le moment, moi personnellement, je n'ai pas encore commencé à utiliser Facebook, Twitter, ainsi de suite. Elle souhaite des formations plus poussées afin de mieux profiter de ces nouveaux outils de travail. Nous étions à une réunion à l'OCPV. On nous a présenté des jeunes, une structure qui nous a promis passer dans nos marchés pour pouvoir nous former à ces techniques-là. Si on nous montre les techniques, on peut le faire parce que c'est ce qui est là. Par ça, nous pouvons vendre. Sinon, un jour, on peut être là et puis ne plus voir les clients venir dans les marchés et bien être dépassé par les choses dont nous avons besoin de ça. Le marché Cocovico, l'un des marchés les plus structurés de la Côte d'Ivoire, ne reste pas en marge de cette nouvelle technologie de vente. Grâce au smartphone, les femmes se déplacent de moins en moins pour acheter leurs marchandises sur le terrain. Les 5 sacs que tu as eu là, les 5 sacs de Bomo là, faut m'envoyer sur mon portable. Envoie-moi la photo des 5 sacs là. J'ai dit ça va m'arranger parce qu'aujourd'hui je suis allé à Diamé, j'ai déjà envoyé plus de 3 cartons. Comme c'est un peu lent, jusqu'à jeudi, je préfère encore 3 cartons. Mais je veux ce qui vient de Bongoué. La responsable du marché, Gisèle Louis, souhaite renforcer cette innovation de vente à travers tout le marché. Le marché Cocovico aujourd'hui est parmi l'un des marchés d'excellence, si je peux m'exprimer ici, de la Côte d'Ivoire. En cela, on a le devoir de suivre la modernisation. Et par rapport au digital, déjà on a une page Facebook qui est le marché Cocovico. On veut aller vers la vente de nos produits sur le digital. Donc nous avons contacté un particulier qui va nous accompagner à le faire d'ici dans 2-3 mois. C'est pour pouvoir aider la population surtout. Aujourd'hui, comme on le dit, tout est évolué. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer pour aller sur le marché. Donc nous voulons les aider aussi dans leur démarche à pouvoir les livrer à domicile en créant une plateforme où ils pourront commander leurs produits et nous allons les livrer.
On demande à ce que la Chambre du commerce puisse nous aider, surtout dans les formations. Pour les femmes qui sont sur le marché, il y a beaucoup de femmes qui ne savent, je ne vais pas dire analphabètes, mais je peux dire qui ne savent pas lire. Donc on demande à la Chambre du commerce de nous aider avec les formations pour que ces femmes-là puissent utiliser le digital. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, elles ne savent pas lire, mais beaucoup ont le smartphone. Avec le smartphone, elles pourront faire beaucoup de choses avec cela. C'est vrai qu'on ne fait pas de commandes directes comme ça, mais aujourd'hui, avec le WhatsApp, nos producteurs qui sont dans les villes, ils nous envoient leurs produits par photo sur nos WhatsApp pour qu'on puisse les voir par rapport à la qualité et par rapport aussi à la quantité du produit qu'on a. Comme ça, on peut au moins se déplacer. La présidente du marché Cocovico rassure les consommateurs sur l'approvisionnement en quantité de vivriers sur son marché et surtout à des prix très abordables. C'est vrai, l'année dernière, à cette période, mars, on trouvait que la vie était beaucoup chère. Mais cette année, là, nous sommes en mars, mais on voit qu'on ne se plaint pas trop. Donc, il y a un peu de tout. Sur le marché, il y a de la banane. Jusqu'au mois de juin, il y aura la banane, l'aubergine, la tomate. En tout cas, il y aura toutes sortes de produits. Donc, profitons-en. Pour permettre à toutes les femmes de bénéficier d'une plus-value à travers leur production, via les réseaux sociaux, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé du 24 au 25 mars au Palais de la Culture le Salon de la Journée internationale de la femme. Cette année, le 8 mars, la Journée de la femme est sur un thème que nous connaissons tous, c'est innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. C'est un sujet important puisqu'il est en lien direct avec l'autonomisation de la femme, son inclusion, son insertion à travers les technologies. Près de 80% des activités agricoles sont menées par les femmes et souvent avec des outils rudimentaires. C'est donc un appel à l'accès des femmes aux facteurs de production, aux ressources technologiques et le digital aussi, pour moindre pénibilité et puis pour le commerce en ligne qui est devenu aujourd'hui un must et une opportunité à saisir par nos femmes. Voilà pourquoi ce thème est important. Cet événement a permis, à travers des panels, des formations à l'utilisation du digital, des expositions, des conférences de haut niveau aux entrepreneurs, leaders et jeunes filles, à saisir toutes les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux. GIZ intervient donc à plusieurs niveaux et on peut citer l'exemple des formations qui sont données pour former les acteurs en termes de développement de compétences numériques. Le projet Développe a offert des formations donc, qui ont impacté sur plus de 2000 acteurs, dont 800 femmes. Il y a également le projet ZLECAF qui a pu également des ateliers de formation sur le marketing digital, véritablement pour permettre aux femmes, de manière particulière, de pouvoir s'approprier des techniques de marketing et de pouvoir également mieux présenter leurs produits à l'international. Les technologies de l'information sont pour les femmes dans le milieu rural un moyen de se rapprocher et de faire un pas en avant, qui plus est un saut, je dirais, en avant vers une multitude de d'opportunités d'affaires, que ce soit aussi bien en Côte d'Ivoire, mais surtout à l'étranger ou à l'exportation. Donc c'est des outils sur lesquels les femmes dans le milieu rural ne devraient pas lésiner. Et nous le faisons avec notre organisation, nous accompagnons les formations, l'appropriation et l'amélioration des compétences à travers les programmes que nous mettons en place en Côte d'Ivoire. Consciente des opportunités à saisir, les femmes visitées sur les stands n'ont pas manqué de remercier les organisateurs de ce salon. Avant, je faisais les plein air, je me promenais, je faisais du porte-à-porte. Et une fois, je suis allée dans un plein air. J'étais en train de proposer mes services à un monsieur, mes produits.
Et après d'avoir proposé les produits, il m'a fait une petite vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux. Quand il a mis la vidéo sur les réseaux sociaux, le lendemain, j'ai reçu un appel des États-Unis, de la France, un peu de partout. Et c'est là que c'est parti. J'ai vu que c'était plus facile avec le digital. Donc j'ai décidé de créer une page Facebook. Et c'est là que j'ai commencé à vendre mes produits. Au fur et à mesure, j'ai créé une page TikTok, Instagram et autres. Voilà. Il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs, mais ce que j'ai eu comme problème, c'est que là où ma page était en train de prendre un essor, où j'étais en train de grandir, malheureusement, j'ai été piratée. Ils ont mis des images vraiment pas possibles sur mon compte et Facebook a failli me retirer le compte, ils m'ont mis en restriction et c'était vraiment très compliqué pour moi de pouvoir récupérer les clients. Et de là où j'étais aujourd'hui, je suis descendue, vous savez que j'essaie de remonter, mais j'ai pris vraiment un coup avec ce problème de piratage là, c'est ça qui a été mon souci. La page Facebook c'est Metdici, M-E-T-S, plus loin D apostrophe I-C-I. Donc c'est une page qui est animée par une dame, donc qui est le community manager, qui fait également les différentes créas et donc qui anime cette page-là en interaction avec les clients. Cette page permet de vendre non seulement les produits, de proposer des astuces, comment utiliser ces produits-là pour pouvoir profiter du meilleur. Et c'est une plateforme qui nous permet en tout cas d'avoir de nouveaux clients, d'avoir des retours aussi de certains de nos clients et d'avoir également des partenariats. Déjà, bon, ils ont ouvert une plateforme aujourd'hui au niveau du ministère où on peut mettre nos produits pour bien vendre. Mais on a aussi le problème des livreurs. Parce que quand tu vends sur une plateforme, ça veut dire que tu as un livreur qui est prêt à amener tes produits. Mais ça, c'est un souci des femmes transformatrices aujourd'hui. C'est un souci des femmes qui vendent sur les réseaux sociaux. Parce que dès que tu as une commande, tu vas appeler un livreur, mais il peut attendre jusqu'à demain. Or, souvent, la personne veut voyager, la personne est pressée, mais on court après les livreurs. Et je pense que les livreurs doivent bien s'organiser. Si on peut les accompagner pour qu'ils s'organisent mieux, pour nous accompagner, ça va être plus facile pour nous. Je voudrais dire merci à Madame le ministre qui nous a permis encore une fois aujourd'hui de présenter nos produits. Mais il faut qu'eux aussi parlent de nos produits. Il faut qu'eux nous aident à nous vendre, à améliorer nos productions. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de le dire. On a besoin d'appui financier. Il faut que les ministères nous accompagnent aujourd'hui pour qu'on améliore nos conditions de production. Les réseaux sociaux sont un outil indispensable à l'ère du numérique. Utilisées dans une vision constructive et de progrès, les technologies offrent des solutions appropriées aux besoins urgents de nos sociétés pour faciliter la vie et améliorer le bien-être de tous. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, à travers le projet de développement des chaînes de valeur vivrière financé par la Banque mondiale, lance le démarrage de la soumission des sous-projets dans le cadre du fonds à copartager. Vous êtes une personne, physique ou morale, intervenant de façon directe ou indirecte dans les chaînes de valeur manioc, aquaculture et maraîcher. Rendez-vous dans les directions régionales et départementales de l'agriculture, spécifiquement les zones en rouge sur la carte. Et au siège du PDC2V, 6 à Abidjan-Cocody, rue de la Canebière, pour soumettre vos sous-projets chaque jour de 8h à 17h. Pour plus d'informations, appelez au plus 225 27 24 34 40 75 ou rendez-vous sur le site internet www.pdc2v.com. Dans le souci de faire face à la concurrence rude constatée sur l'échiquier international dans la filière coton, les interprofessions de coton de l'espace UMOA ont décidé de mutualiser leurs forces à travers la création d'une organisation sous-régionale dénommée Organisation régionale des interprofessions de coton des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé ORIC-UMOA. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenon Kwasi Adjumani, qui a présidé l'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de l'organisation régionale représentative des interprofessions coton des États membres de l'UMOA, mardi 21 mars à Abidjan-Plateau. En présence du représentant résident de la commission de l'UMOA Abidjan, Gustave Diasso, du président du comité ad hoc, Mathieu Adjovi, du directeur général du conseil du coton et de l'ANACARD, Dr Adama Koulibaly, du PCA de l'Intercoton, Soro Moussa. Dans son allocution,
le ministre d'État Kobeno Kwasi Adjumani a salué et félicité la présence des différentes délégations, tout en précisant l'importance de la culture du coton dans les différents pays de l'UEMOA. Dans l'espace UEMOA, la culture du coton impacte près de 15 millions de personnes, avec une production annuelle moyenne de plus de 2 millions de tonnes pour le coton graine et de plus de 900 000 tonnes pour ce qui est des fibres de coton. Ces performances ont hissé l'UEMOA parmi les 6 premiers producteurs de coton au niveau mondial, tout en occupant la place de 3e exportateur mondial de coton fibre derrière les États-Unis et l'Asie centrale. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, le coton est le 4e produit agricole d'exportation et génère plus de 100 milliards de francs chaque année, faisant de lui une culture essentielle pour notre pays. Pour Gustave Diasso, les défis de ce secteur sont nombreux et nécessitent une meilleure structuration à tous les niveaux. Les défis donc, de ce secteur sont nombreux et nécessitent une meilleure structuration de la filière, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. C'est pourquoi nous voulons en tout cas saluer la structuration des acteurs de l'initiative qui est actuellement donc en cours et qui a permis en tout cas d'adopter les statuts et règlements intérieurs de l'organisation et l'organisation de la présente Assemblée générale constitutive. Après son élection à la tête de cette organisation, Mathieu Adjovi est revenu sur les objectifs de l'ORIC UEMOA et surtout les premiers chantiers de son bureau. L'objectif de cette organisation, c'est de mutualiser tous les efforts qui sont en train d'être faits à l'intérieur de chaque entreprise nationale, faire en sorte que nous puissions partager et porter au niveau régional ce que nous avons suffisamment ou insuffisamment fait dans chacun de nos pays. Le premier chantier, c'est la réflexion sur la productivité. Nous avons des pays qui ne sont pas extensibles. Nous devons faire en sorte que les rendements à l'hectare du coton soient le plus élevé possible. Ça, c'est le premier défi. Et pour ça, il découle de ce chantier un certain nombre de préoccupations liées à la recherche, liées à l'amélioration, n'est-ce pas, donc des variétés et également à la recherche de solutions techniques et scientifiques pour, n'est-ce pas, la mécanisation est un facteur très important de notre dispositif. Les premières réunions que nous allons tenir au niveau du bureau sera d'établir et d'élaborer une feuille de route, n'est-ce pas, capable de pacter les enjeux actuels. J'ai parlé du jacide, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans les pays, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rechercher des solutions efficaces et immédiates. La campagne prochaine va démarrer bientôt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer donc de limiter un temps soit peu au maximum, je veux dire, l'effet de ce parasite sur la production cotonnière. Un bureau exécutif constitué de 4 membres, dont le président Mathieu Adjovi, PCA, Interprofession Bénin, vice-président Onkabi Nikebo, PCA Interprofession Burkina Faso, secrétaire général Abdoulaye Diara, PCA Interprofession Mali, trésorier Soro Moussa, PCA Interprofession Côte d'Ivoire, le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobeno Kwasi Adjumani, a reçu à son cabinet le nouveau bureau exécutif de l'ORIC UEMOA pour leur apporter tout son soutien et les féliciter. Il faut noter que c'est la Côte d'Ivoire qui abrite le siège de l'ORIC UEMOA. Notre rendez-vous de ce jour tire à sa fin. J'espère que nos braves paysans tireront profit de toutes ces formations qui leur sont données dans le cadre de l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux afin de faire la promotion de leurs différentes activités. Quant à vous, merci d'être resté avec nous. Rendez-vous très prochainement. Que Dieu nous garde. Ciao.